Salut à tous et bienvenue pour une autre vidéo du sud au-dessus de niveau très diabolique. Bon, aujourd'hui, je vais faire le niveau, ça j'avais dit, très diabolique. Puis dans ce drill-là, il y a une technique avancée qu'il faut qu'on termine pour t'en péter la drill. C'est le Starfish, c'est 3 par 3. Bon, là, je t'avance. Bon, région 2, le 5. Voyons. Déjà, sa première ligne, la deuxième ligne. C'est la quatrième colonne. Donc, je vais le mettre là. Voyons, qu'est-ce qui se passe. Bon. Région 1, le 8. Présent là, ça élimine ça. Et présent ici, ça élimine ça. Dans la colonne 2 ici, là. 5, 6, 8, 9. Voyons. Bon, région ici, la région ici, là. 9 va pas là, puis 9 va pas là. Soit c'est là ou là. Mais il ne peut pas être ici, c'est déjà présent. Bon. Dans la ligne 6, ici, là, le 9. Déjà, dans la torée ici, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être là non plus. Il ne peut pas être là, puis il ne peut pas être là. Bon, le 4 dans la région ici. Ici, là. Il y a un 4. Carré ici. Bon. La région 5 ici, là. Le carré là, puis le carré là. Ça élimine ces deux-là, puis ces trois-là. Le carré ici, ça élimine ça. Déjà un carré, c'est la première colonne, deuxième colonne ici. Puis c'est la quatrième ligne, cinquième ligne, il y a déjà un carré ici. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Il va ici. Bon, région 3, le carré. Première ligne, troisième ligne. Là, on sait que c'est la deuxième ligne que t'as part. Soit c'est là ou là. Mais déjà un 4, c'est la colonne 7 ici. Donc, le 4 va ici. Même chose dans la région 9. Le 4 est présent, c'est la septième colonne, neuvième colonne. Donc, il est sa colonne 8 que t'as part ici. Mais déjà présent, c'est la septième ligne puis la neuvième ligne ici. Là puis là. Ça veut dire que le 4 va ici. Les cartes sont mis. Est-ce que je peux tout déduire? Faudra que je mette des candidats tout à l'heure. Ouais, il va falloir que je mette des candidats. T'as bien sûr, si elle peut mettre des candidats, si elle a moins de chiffres. Comme ici, par exemple. 3, 5, 6, 8. Non, il y a déjà un 8. C'est moins. Dans la région, il manque 3, 5, 8, 9. Ah, c'est ça. 3, 5, 8, 9. Il y a toujours celle qu'on a moins, comme ici, la région 2. 1, 3, 6, 7. Là, il y a un 3 ici, ça ne peut pas être le 3 là. C'est un 6, 7 en haut là. Mais il y a un 3, dans la région ici, la région 2 là. On trouve un 3 facilement parce qu'il ne peut pas être dans ce ligne-là. Il ne peut pas être dans ce ligne-là. 7, forcément. Vous n'avez pas remarqué tout à l'heure avant de mettre des tests là. Ça arrive des fois. Non, c'est 7, c'est 1, c'est 7. Bon, regardez la colonne 4.
Marthe, 1, c'est 7 dans cet âge-là. Là. Il y a déjà un 1 ici, donc c'est 6 ou 7. C'est 1, c'est 7. Bon. Bon, la troisième ligne, il faut regarder toujours cette moitié de chiffre. La troisième ligne, il manque le 1, le 6 et le 9. On peut pas déduire. Bon, la deuxième colonne ici. 5, 6, 8 qui manque ici, là, dans ces trois tasses-là. 7, c'est 5, 6. C'est 5, 8. 5, 6, 8 ici. Voilà. Bon, la colonne 5, là. Il en manque 4. 1, 3, c'est 7 ici, là. Un, trois. Un, trois, six. Un, trois, six, sept, là. Bon, t'as là, un, huit, là. Deux, six, huit, neuf. One minute, il y a un 8. Dans la colonne 8, là, il y a un 8 qui se place. Déjà présent sur la troisième ligne, présent sur la septième ligne et la neuvième ligne. Il ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici. Donc le 8 va là. Petit bientôt dans les candidats dans la région 6, là, il y a un 9 qui. Il est sur la colonne 9, donc il ne peut pas être dans ces deux-là. Le 9 va ici. Le tatou, ça fait un pair ici. Un pair. Mais dans la région 3, il y a un 9 qui est seul. Il est présent sur la première ligne. Il est présent sur la 7e colonne et la 9e colonne. Donc, il ne peut pas être... Cette case-là est interdite au 9. La seule place possible, c'est là. Ici, là. Bon. Bon, colonne 8. Il manque le 2, puis le 6. On peut les faire, il faut les écrire. Il y a toujours 7 à moins de chiffres. Bon, je vais faire la région 3. Bon, le 2, il doit avoir un 2. Bon, il y a déjà un 2, c'est la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, il ne peut pas être ici, puis il ne peut pas être ici. Il y a déjà un 2 dans la neuvième colonne. Non, il ne peut pas être ici. Interdit, interdit, interdit. Donc, la seule place possible, ici. Bon, maintenant le 2, la région 3. La région 3 ici, elle doit tourner un 8. Il y a déjà un 8, c'est la deuxième ligne et troisième ligne. Le 8 va ici. Dis, mais toi, on peut mettre le 1 plus 6 dans la région 3. Là, il y a un 6 sur la colonne 7. Donc, il est déjà présent. Donc, le 6 va ici. Puis, le dernier chiffre, c'est le 1. Le 1. Là, j'ai mis un 6 dans la ligne 3 ici, vous voyez. Il manque un chiffre sur la troisième ligne, c'est le 1. C'est le 1. Si on le voit, tu le sais, c'est terminé là. Bon, la région 9 ici. Le 1. Le 1 est présent sur la 7e colonne, 8e colonne. Donc, tout ça, le 1 ne peut être là. Mais il est présent aussi sur la 8e ligne ici. Donc, le 1 va ici. Ça élimine ces deux-là. On peut trouver le 1 dans la région 8. Il est présent sur la 8e ligne, 9e ligne. Le 1 va ici. Bon, ici, on peut trouver un 7 dans la région 9. Le chiffre 7. Il va ici forcément parce que c'est déjà présent sur la
septième ligne, huitième. Non, pas, c'est pas une ligne. Le 7 est présent, c'est la septième colonne, huitième colonne. Il va ici. Bon. Bon, qu'est-ce qu'il montre, c'est la septième colonne, là? Septième. Il montre le 3, le 5, le 8. Bon, on donne le 8 comme il faut. Ligne 7, ligne 9, ah, le 8. Non, le 8 va ici. Puis 7, il montre le 3 puis le 5. Je vais les noter. Ils ont des tasses d'or, les noter. Bon, deuxième ligne ici. Il montre 6, 7, 9 ici. Ben, Dada, comme il faut, la ligne 2, où va le 9? Il peut pas être ici. Il est déjà présent sur cette deuxième région. Puis il peut pas être ici non plus parce qu'il est présent sur la première ligne, colonne. Présence à premier talon, puis c'est la région 2. Donc, il peut pas être ici, puis il peut pas être ici. Il peut aller là. Puis dans la première région, il manque le 6 et le 7. Bon. Bon, la huitième ligne ici. Il en manque 3. 2, 3, 6. Il va falloir les écrire tous les 3. 2, 3, 6. Voilà. Bon, quatrième ligne ici. Il manque 4 chiffres. Il manque le 1, le 3, le 5 et le 6. Ouais, c'est ça. 1, 3, 5, 6. Commencez ici. Parce qu'il y a déjà un 5. C'est ça, 3, 5, 6. 3, 5, 6 ici. Bon, il va falloir que j'aille à la tour à 4 chiffres. 14. Ici, là, dans la région 8, là. 2, 3, 6, 7. Itération du 2 ici, là. Itération du 7. On peut pas déduire ici. Bon, 2, 3, 6, 7. Ouais, une minute. En dedans, la neuvième ligne, ici, là, il y a un 5 qui est seul, là. En dedans, comme il faut, le 5 présent sur la huitième région. Donc, c'est interdit, c'est trois tasses de la ligne. Le 5 est déjà présent sur la neuvième colonne. Il peut pas être ici. Donc, sa seule place, il va, c'est là. On est pas loin de trouver le surfish bientôt, là. 3 par 3. Bon, la septième ligne ici. Il manque 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Il y a 5 ici. 7, c'est 2, 6 ou 7. 7, c'est 2, 5, 6, 7. Forcément 5 ou 7 dans un des trois tasses ici, là. Bon, la première colonne, là, il faut que j'aille à 5 tasses maintenant. Il n'y a plus à 4 tasses. Il faut aller ici dans la colonne 1. 1, 2, 3, 6, 7. Bon. Ligne, la sixième ligne. Il manque 5 chiffres. 1, 2, 3, 5, 8. 3, 5, 8 ici, parce que c'est déjà un 1 puis un 2. Bon, il reste 2 chiffres à 2 tasses. Il faut noter 2 à 3, 2 tasses. Bon, dans la ligne 5, là.
3, 5, 6, 7, 8. Là, il faut écrire toutes les tenses d'œil ici. 3, 5, 6, 7, 8. Bon, il y en a beaucoup, hein? T'as raison, 5, 8 ici, là. On peut pas déduire. Bon, ici. T'avais dit 3, 5, 6, 7, 8 ici, hein? Il y a déjà un 7 et un 8. C'est 3, 5 ou 6. C'est ça. Là, je prends un choix de chibioté. Là, il faut que je vérifie de toutes les régions un par un. Toutes les lignes un par un. C'est toutes les colonnes un par un. Pour voir s'il n'y a pas d'itération de ligne, de double, de triple, des choses comme ça. Là. Première région. Je peux pas. Deuxième région, je peux pas. Région 4. 1, 2, 3, 5, 6, 8. Oh, on peut faire autre chose dans la région 4 ici, là. Oui, on peut faire autre chose. En donnant comme il faut la région 4, là, il y a un 2, t'es seul. Et déjà présent, c'est la quatrième ligne. Cinquième ligne. Peut pas être dans cette case-là. Et déjà présent, c'est la deuxième colonne. Donc, le 2 va ici. J'étais pas bloqué à toi. Là, je suis pas bloqué à toi, mais t'as le 2 ici, là. Dans la région 4, on peut trouver le 1 facilement. Le 1 présent, c'est la deuxième colonne, puis la troisième colonne. Donc, le 1 va ici. Moi, j'adore. Puis longtemps, j'ai pas fait de sudotu, là. Faisait une semaine, là. J'aime ça. Bon, 3. Itération du 3 ici. 3, il va être éliminé, là. Bon, donnant la première colonne. 6, 7, 6, 7. Donc, le 6 va pas ici, c'est le 3. Bon, le 3 est éliminé, là. Bon, je suis pas bloqué à tort. En donnant la région 5 ici, le 1, quatrième ligne, élimine ces deux tasses-là. Le 1, c'est la cinquième ligne, élimine ces deux-là. Le 1, c'est la sixième colonne, élimine ce 1-là. Le 1 va ici. Mais tout, ça permet de trouver le 1 ici. À cause du 6, 7, 6, 7. Même chose là, puis là. Y a-tu un oui, mon père, là-dedans? Non, il n'y a pas de numéro de paire. Parce que je vois souvent des 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Hein? Bon. Là, je vais tout vérifier comme il faut. S'il n'y a pas de chiffre unique. Bon, première région, deuxième région, on laisse tomber, on ne peut rien faire. Troisième région, c'est juste le 3 puis le 8. Itération du 3. Itération du 8. 5, 6, non. Bon, ici, 3, 5, 6, 7, 8 dans la région 5. Ça, j'ai dit, c'est 5 ou le 8. 3, 6, puis l'itération du 7 ici. 7, je peux pas. Région 7. Dans les 2 plus 6. Ah ben. 5, 7, on peut rien faire. Région 9, on peut rien faire. Région 8. Il n'y a pas de 2 ailleurs. Il n'y a pas de 3 ailleurs. 7, 7, non. Je donne les lignes. Première ligne, deuxième ligne, on peut rien faire. Quatrième ligne, on ne peut rien faire non plus. Cinquième ligne, il y a 5 tasses qui manquent pour mettre des chiffres. 3, 5, 6, 7, 8. Je ne peux pas. Sixième ligne, c'est un triplet, 3, 5, 8, peut rien faire. Septième ligne, 2, 6, 2, 6, 5, 7, il n'y a pas 5, 7 ailleurs. Huitième ligne, on laisse tomber. Neuvième ligne, 2, 6, 3, 7, on peut rien faire. Là, je suis rendu de haut en bas. Talonne, de talonne 1 à talonne 9. Premier talonne, on peut rien faire. Deuxième talonne, on peut rien faire non plus. Il y a une traction du 8, mais il n'y a pas ailleurs sa région. N'a pas ailleurs sa région 4. Troisième colonne. 2.
3, 5, 6, 7. Non, je peux rien faire. Quatrième tolonne, c'est un double, on laisse tomber. Sixième tolonne, c'est un triplet, on laisse tomber. Huitième, j'avais dit ça, cinquième tolonne, il y avait un triplet, on laisse tomber, c'est 3, 6, 7. Sixième tolonne, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Le datum, il faut chaque candidat. Chaque chiffre. De façon de 5, on peut rien faire. 6. 7, 7, 7. 8, 8. On peut rien faire. Talon 8. On peut rien faire. Talon 9, on peut rien faire. Donc, je suis rendu au Swordfish. Bon, je vais reprendre la vidéo dès que je vais retrouver le Swordfish. Bon, je suis de retour, j'ai trouvé le Starfish. Dans la première ligne, il y a seulement 2, 6 ici. Dans la quatrième ligne, il y a 3, 6 ici. 1, 2, 3. Puis sur la huitième ligne, il y a 2, 6 ici. Mais c'est tome 3 par 3, comme vous voyez ici. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, j'ai essayé. Ça veut dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand même, c'est pas un 6, il faut que je l'enseigne. Puis, 1, 2, 3. Là, vous voyez, t'as ces 3 par 3, là, quand même, là. Dans la première ligne. 3, 3, 3. C'est ça, un Starfish. C'est les 6. Là, vous voyez, t'as la première ligne, la quatrième ligne, puis la huitième ligne. Ça forme un Starfish avec les 6. Donc, ça signifie que t'as un des 6. Un de ces 6-là doit être le vrai, là. Si ce 6-là est bon, ce 6-là est bon ici. Puis le 6-là serait bon. Puis les 6 en rouge sont éliminés. Par exemple, si ce 6-là, ce 6-là est éliminé, ça fait comme un X-Wing. Donc, il reste ça, ça ferait un X-Wing. Ça élimine les 6, comme ça, là. Mais comme je t'ai dit, là, le Starfish, là, c'est 3 par 3. Bon, là, vous voyez, t'as les 6 en rouge, sont en dehors du Starfish. Ça veut dire qu'ils sont éliminés. Bon, je vais reprendre ma drille. J'avais dit, c'était ces 3-là. Ces 6-là est éliminé. Ces 3-là. Ceux-là est éliminé. Ceux-là est éliminé. Ces trois, ces deux-là. Celle-là, celle-là, puis celle-là. Il y a d'autres 6 éliminés là-dedans. Ces deux-là, ces trois-là, puis ces trois-là. Ces deux-là. J'espère que je l'ai éliminé comme il monte sur la photo, là. Celle-là, je l'ai montré sur le paint, là. Ouais, je pense que je l'ai, oui. Je l'ai mené en dehors, oui. Ça, il y avait des 6, ça, il y avait des 6, il y avait des 6 là. Bon, là, vous voyez ici, c'est le 7. Faut être tout à fait sûr si j'ai mené les 6 au bon moment. Là, je regarde. Vous voyez, les 6 en rouge, je les ai éliminés, là. Pas de problème, il y a un enfer qui apparaît, qui bloque. Non, je les ai éliminés. Là, vous voyez, ça débloque la drille. Si c'est là, ça tombe un 3. Voilà, ça débloque toute la drille. Sans technique, on ne sera pas capable de débloquer la drille. Sauf si jamais vous faites un devinette, là, mais une devinette, c'est pas un pseudo-tu. Pseudo-tu, c'est la logique.
Là, vous voyez, j'ai réussi à l'avoir avec le Starfish. Parce que je l'ai eu comme il faut. Ça marche toujours, ce truc-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous retrouver dans quelques jours pour une autre vidéo du Sudotu, de Minéraux ou de Mastermind. Bonne journée à tous.